Oh là 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 là. J'ai trop. J'espère vraiment que le mec est réel et qu'il n'y aura pas de problème. Bonjour. Mais non! Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo. Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons sur une vidéo réaction qui traite d'un sujet très important dans notre société qu'on ne traite pas assez. Mais d'abord, je vais refaire mon entrée parce que je trouvais qu'elle était pas. Bonjour, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, on va regarder des fausses meufs draguer des faux gars. Yes! Ouais, je suis pas sûr de cette intro en fait. Mais aujourd'hui, nous allons voir une émission qui s'appelle Catfish. Au début, je croyais que c'était un truc de pêcheur, mais au final, non. C'est des mecs qui sont passés pour des meufs pour draguer d'autres meufs, ou des meufs qui sont passés des mecs pour des mecs pour draguer d'autres mecs, ou des mecs qui sont passés pour des mecs pour draguer des meufs qui ne sont pas des meufs et qui sont déjà avec des mecs qui ne sont pas des mecs. C'est très compliqué et je pense qu'ils vont nous expliquer mieux que moi dans le reportage. Nous allons aller voir ça tous ensemble, mais avant, petit disclaimer. Bonjour, ici Francis Baltringue. Ouais, carrément, maintenant on invente des noms de personnages, nom, prénom, D'accord, ok. Baltringue de ouf ou pas? Si je suis là parmi vous, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va réagir, ça va rigoler, ça va clasher. Aujourd'hui, on aime tout le monde. Et comme on aime tout le monde, on déteste aussi tout le monde. Comme ça, tout le monde est égaux. Est-ce que tu veux de l'égalité? Ah oui, prends de l'égalité, tiens. Bah, comme il a dit, hein. El Batardo, viens! Ouais, je l'annonce même plus, ça y est, on le connaît maintenant. Vous n'aurez jamais ma famille! Quoi? React? Ah, désolé, les gars, je suis occupé. A plus tard, salut! Voici les mains de Niamh Schulman. Non, mais il a des mains tellement agréables, Niamh Schulman. Waouh, ça commence comme ça, de but en blanc. En tant que roi d'Internet, il se doit d'avoir les doigts agiles. Pas qu'en tant que roi d'Internet, hein? Coquin, va! Boffman! Je cherche un truc. T'es sur quoi? YouPorn. J'ai tapé nain sur cheval à califourchon. J'ai un mail intitulé « Mon histoire d'amour » d'une certaine Shawnee Ford. Salut Niamh, je m'appelle Shawnee, mais tu peux m'appeler Trina. Je me fais appeler Trina la naturelle, parce que j'ai un corps de Barbie, mais tout est naturel. Et le Photoshop, c'est naturel aussi, parce que à moins que ta peau, ça soit de la soie, tes reflets sont très étranges, madame. J'habite à Silver Spring, dans le Maryland, avec ma mère et mon beau-père. J'ai vu ton film et j'ai adoré. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet et il pourrait bien être l'homme de ma vie. Il s'appelle Lee, mais tout le monde l'appelle Scorpio. Ça n'a rien à voir. Je m'appelle Lee. Appelez-moi Chaussette. Ah ouais, mais c'est Booba en vrai. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je veux le rencontrer, il a toujours une excuse. J'aimerais bien qu'on discute par webcam, mais il dit qu'il ne connaît rien à la technologie. Même mes darons savent utiliser une webcam. Mon père n'est pas né en France. Scorpion le lit là, pourquoi tu fais le mytho? Arrête tes conneries. Avec ce genre de situation, j'ai besoin que tu m'aides à découvrir s'il est vraiment sincère. Signé Trina, la naturelle. LOL. Allô? Salut, comment ça va? Salut Trina. On doit t'appeler Trina ou Shawnee? Vous pouvez m'appeler Trina la naturelle. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Hein. Trina la naturelle, fils de ton à la catalane. Allez, c'est bon, c'est parti. Raconte-moi un peu ta relation avec Scorpio. On s'est rencontrés sur MySpace. Ça fait à peu près un an qu'on communique régulièrement. Avec mon boulot, les gens me jugent souvent sur ce que je fais. Du coup, j'ai l'impression que je ne trouverai jamais le grand amour. Mais avec lui, je l'ai trouvé. Il ne me juge pas. Si j'ai besoin d'une discussion ou... Peut-être il veut juste... Brrrah. T'es la plus belle fille que j'ai jamais vue. Tu es l'homme de ma vie. Il m'a déjà fait des déclarations et il m'a dit je t'aime. Sans jamais te voir. Et tu le crois. Je t'aime pour toujours. Ma vie était vide sans toi. Je t'aime un peu plus chaque jour. D'après ce que je vois, tu es une très belle femme. Tu croises sûrement des tas de mecs qui aimeraient sortir avec toi. Et tu n'as jamais rencontré quelqu'un pour qui tu as eu de vrais sentiments. Ah mais là, elle est pas naïve. Elle a de la sauce piquante dans les yeux. C'est pas possible. Ça fait un an que j'attends. Un an? En tout cas, je serais ravi de t'emmener à Atlanta pour te permettre de rencontrer l'homme de ta vie. Ce serait vraiment génial. Mais du coup, elle avait vraiment besoin de la télé pour prendre un bus pour aller à Atlanta ou c'est comment? J'ai pas compris le concept. C'est quoi le concept de l'émission? C'est suivez-moi dans mon bus ou... Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien. Personne ne voit. Chut. Et ta maman, quel plaisir. Quand j'étais plus jeune, ma mère était très stricte parce que mon père est mort quand j'avais 2 ans. Du coup, je pense que je recherche une figure paternelle chez un homme. Mais vu le domaine dans lequel je travaille, j'ai l'impression que les hommes se servent de moi parce qu'ils savent que je suis prête à donner... Dans mon travail, j'ai l'impression que les hommes se servent de moi. Mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis gogo danseuse. Les hommes me regardent et mettent des billets dans mon slip. Mais du coup, s'ils se servaient pas de toi, t'aurais pas de travail, en fait. C'est vrai.
Avant de rencontrer Scorpio, il m'arrivait même de prier pour rencontrer quelqu'un comme moi, qui me comprenne et qui ne me juge pas. Je suis sûr, il y a plein de gars bien qui jugent pas les gens, c'est obligé. Et quand vous parlez de vous rencontrer, est-ce qu'il se montre aussi impatient que toi? Est-ce qu'il te dit qu'il a hâte? Oui, il me dit... Franchement, elle est jolie. Normalement, quand tu rencontres une fille comme ça, tu veux la rencontrer direct pour discuter en face-to-face, évidemment, tu vois. J'adorerais venir te voir, ma chérie, mais je suis vraiment débordée avec le boulot. Et moi, j'en ai vraiment marre des conversations téléphoniques. On ne peut même pas se voir sur webcam, j'en ai vraiment marre. Voilà une photo de lui. Genre ça, c'est sa pose naturelle. Trois photos, la meuf, ça fait un an, elle est amoureuse. Il t'en a envoyé aucune avec des amis ou avec des vêtements? Non. Oh le bâtard. Il t'a envoyé aucune photo habillée? Bon, cet article date du 27 décembre 2007. Regarde. Et voilà, il a signé Larry Drummer. Il s'appelle pas Lee Avent, il s'appelle Larry Drummer. Pour moi, Larry Drummer est bien Scorpio. La question maintenant, c'est qui est Lee Avent? On va faire une recherche sur son nom. Va chercher Lee Avent sur Facebook. Il y a celui-ci dans le Mississippi. Eh, pas mal la transformation physique, il a fait une bonne sèche, hein. Qu'est-ce que vous savez sur Scorpio? Trina vient de me dire qu'il est gogo dancer. Vous ne le saviez pas? Non. Si c'est ta pote, tu la vois faire de la merde, tu lui dis quand même. Imaginons ta pote, ça fait un an, elle discute avec un mec, jamais vu, que trois photos, tu lui dis la vérité. J'arrête pas de lui dire, tu connais même pas ce mec. Mais elle me répond tout le temps qu'il lui plaît beaucoup. Elle dit qu'elle est amoureuse. Elle t'a dit ça? T'as dit que t'étais amoureuse? C'est Scorpio qui me l'a dit le premier. Du coup, moi, j'ai répété. Il m'a dit « je t'aime » au mois de juin, et moi, je lui ai dit après, en juillet, quoi. Mon Dieu. Quand je le rencontrerai, je suis sûre que vous allez tous l'adorer. Oh là 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 là. J'ai trouvé quelqu'un avec qui tout partager et qui ne me juge pas. Franchement, eh, en vrai, j'espère vraiment que le mec est réel et qu'il n'y aura pas de problème. J'espère vraiment, tu vois. Du coup, on a quelques questions à te poser. En espérant que tu vas pouvoir nous éclairer sur certains trucs. D'accord. La première chose qu'on a faite, c'est une recherche par image. Ces photos nous ont menés à cette page, la page officielle de Scorpio à Atlanta. Et là, on trouve des tas de photos. Tu les connaissais pas? Non. Ah, 3 ans de relation, elle a eu que 3 photos. Alors qu'il en a 1 milliard sur sa page Facebook. Là, on a un post qui est signé Larry Drummer. On a fait une recherche sur Larry Drummer. Oui. Et on est tombé sur la page Facebook de Larry Drummer. Toutes ces photos correspondent à celles de Scorpio. N'a jamais vu, alors qu'elles sont beaucoup plus personnelles. Du coup, on dirait bien que Scorpio et Larry Drummer ne sont qu'une seule et même personne. Ou alors, il a un frère jumeau. Oui, bonjour, je m'appelle Niamh. Qui est à l'appareil? Qui est-ce? Je m'appelle Niamh, je suis un ami de Trina. Un ami de Trina? Ah d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Lee à l'appareil? Vous vous faites appeler Scorpio? Oui. J'ai rencontré Trina cette semaine. Oh, il y a une vraie personne derrière, il y a une vraie voix et c'est un vrai mec. Parlez-moi un peu de vous et de votre relation avec elle. On s'est rencontrés sur internet, elle est super sympa. Trina m'a dit que vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 filles et 1 fils. Et ils se sont multipliés dans la nuit ou quoi? Parce que tout à l'heure, elle a dit 2 enfants. Là, ça fait 4, hein? Et je suppose qu'ils vivent avec vous à Atlanta. En fait, je ne vis plus à Atlanta. Vous vivez où? J'ai déménagé récemment. Je suis dans le Maryland. Ça fait à peu près 1 mois que je suis là. En fait, si je vous appelle, c'est parce que je pense qu'elle a besoin de vous voir en chair et en os. De savoir si ses sentiments pour vous sont bien réels. Et c'est là, normalement, va trouver l'excuse du siècle. Il va dire un truc genre j'ai piscine ou j'ai oublié mon maillot de bain, un truc comme ça. Je pense que je vais me lancer. Je n'ai pas envie qu'elle sorte de ma vie. Ce serait vraiment de ma femme de ma vie et je risque de le regretter jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que ça vous irait si on passait vous voir chez vous? Ouais, ce serait parfait. Mais non! Effectivement, il a des enfants, mais il en a 4. Et quand je lui ai demandé où il habite, il m'a dit qu'il avait déménagé récemment et qu'il avait quitté Atlanta il y a 1 mois pour revenir vivre ici. On est quasiment sûr que Lee n'est pas Scorpio. J'espère qu'il est beau gosse. Imaginez, c'est pas du tout lui. Elle le rencontre et elle dit bon, ça va, il passe quand même. C'est vraiment tout près de chez moi. Vous imaginez, ça se trouve, elle l'a déjà croisé à l'épicerie quand elle était partie acheter des tampons. Et elle a même pas fait gaffe, c'était lui. Je suppose que tu sais pourquoi je suis là. Ouais, bien sûr. Je suis venu te présenter Trina. Bonjour. On dirait pas il a des abdos, hein. On dirait plus il a un ab gros, non? El bâtardo! Mais comment il va s'expliquer? Salut, ça va? Ça va, et toi? Je suis Lee. Scorpio? Ouais. Donc tout ça, c'est des mensonges? Non, pas tout. Je sais que sur mon profil, ce n'était pas moi, mais tout le reste, c'était la vérité. Mais genre, tout le reste. Genre les 2 enfants qui se sont transformés en 4, le fait que tu vives à Atlanta et au final, tu vis pas à Atlanta, le fait que, contrairement à ce que tu laissais paraître, t'as clairement pas d'abdos, on va pas se mentir, et que t'es sûrement pas gogo dancer, parce que à mon avis, la barre, elle aurait du mal à supporter le truc. Mais du coup, il reste quoi, en fait, qui est vrai? Quel âge avez-vous? Pour vous dire la vérité, j'ai pas 27 ans, j'en ai 32. Tout le reste, c'était la vérité. Oh, ça va, à quelques années proches. Moi, ce que je ressens,
c'est que je t'ai montré ma vraie personnalité. Et en échange, j'ai été trompée. Et ça fait vraiment mal. Un an ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, est-ce que t'aimes faire du troc ? Il faut que tu fasses ce que te dicte ton cœur. Ah, moi je me casse fort. J'ai envie de perdre un homme qui tient peut-être sincèrement à moi. Mais comment tu peux dire sincèrement dans la phrase où le sujet c'est un mec qui t'a menti depuis un an ? C'est pas normal ça. Je ne cherche pas à prendre sa défense, mais ça aurait pu être pire. Si on regarde tout ce qui aurait pu se passer, là au moins, il n'a jamais cherché à profiter de toi. Et quand je l'ai vu, il est pas du tout... C'était pas le mec des photos qu'il t'a envoyé. Non, il ne prend pas soin de lui, il ne mesure pas 1m85, il n'est ni sportif, ni musclé, ni rien. C'est un mec normal. Je résume, hein. Si vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes pas musclé, vous n'avez pas de travail, vous êtes un mec normal. Welcome à tous les mecs normaux dans la team. Bienvenue les gars. Là, il m'a menti avant même de me connaître. Pourquoi faire ça ? Parce qu'il voulait apprendre à te connaître. Mais non, mais c'est pas une raison. On va écouter ce qu'il a à dire. Il a quelque chose qui t'a donné envie de lui dire que tu l'aimais. C'était un peu l'ami que je n'avais jamais eu avant. Ça fait plaisir. Oui. Super, salut Trina. Salut. Comment ça va ? Bien ? Direct, j'aurais mis un coup de genou. C'était vraiment un gros dilemme pour moi, de savoir si j'allais pouvoir te rencontrer un jour. Je me disais que peut-être, si je venais te voir, tu me dirais que tu voudrais plus jamais entendre parler de moi. Et au final, évidemment, ça aurait été complètement de ma faute, tu comprends? Oui. Par contre, tu vois, comme l'autre, il aime bien se lécher les lèvres. Tiens, il y a toujours le truc d'élève des photos, tu vois. Pourquoi tu ne t'es pas présenté à moi comme ça? Je me suis enfermé dans cette situation. Imagine que je me sois présenté à toi comme ça. Tu crois que notre relation aurait évolué jusque-là? Non, jamais. Salut Lee, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Alors, quoi de neuf chez toi ? Il est toujours célibataire et a décidé de se concentrer sur ses enfants et leur aménagement dans une nouvelle maison. Est-ce que t'es resté en contact avec Trina ? Oui, on s'appelle de temps en temps, genre deux fois par semaine. On se parle toujours, on rigole, on passe de bons moments. Finalement, tout est bien qui finit bien. Lee dit être heureux de son amitié avec Trina, mais il espère quand même un jour que l'amour renaîtra entre eux. Nev s'est dit qu'il était temps pour Trina de rencontrer une personne particulière. On va lui présenter le vrai Scorpio. Mais non, la vie de ta mère ! Mais non ! Mais non ! Quel retournement de situation ! Mais non ! Comme quoi, le physique, c'est le plus important, les gars. La morale de l'histoire, si vous voulez vous rapprocher d'une fille, mentez, créez un faux profil, usurpation d'identité, vous allez voir, ça va glisser tout seul. Et n'oubliez pas que le plus important pour rencontrer quelqu'un, c'est aussi de bons abdos. Merci à ce reportage pour ces deux morales très satisfaisantes. Si jamais sur YouTube vous voulez un épisode 2, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi de cette histoire, ou si vous avez déjà vécu la même chose. C'est toujours intéressant et peut-être qu'on ira voir les commentaires de cette vidéo. Bah, peut-être on peut en faire une autre vidéo, on sait pas. Hein. Peut-être on peut faire une vidéo avec vos commentaires, on verra. Abonne-toi si c'est pas encore fait, lâche ton meilleur pouce bleu si tu veux plus de rigolade. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!